Vérification des moniteurs côté cour. Test 1, 2. Test 1, 2. Éclairage classique allumé. 1, 2. L'éclairage est bon. Vérification des moniteurs au centre de la scène. Accessoires prêts. 1, 2. On allume les échangeurs de couleurs. Échangeurs de couleurs. Préparation du plateau. Numéro 1 sur le plateau. Vérification des éclairages mobiles. Vérification caméra 4. Vérification. Image prête. Vérification de la scène. 5. Éclairage enregistré le son. Attention, 9. Levez les micros aériens. On tourne. Vérification des ascenseurs. Plaquette. En direct dans 3, 2. Action. Beau temps, mauvais temps, en période de guerre et de paix, de crise économique et de prospérité, l'AIEST a toujours été déterminante dans la vie de ses membres. Dès le tout début, l'existence même du syndicat défiait les pronostics. Dans un climat économique paralysant, où le chômage atteignait des niveaux records, les techniciens de scène se sentaient piégés dans des emplois précaires et éreintants, avec de maigres salaires pour de longues heures de travail. Leur amour du théâtre et leur engagement inégalé ne les protégeaient pas contre de rudes conditions et de durs producteurs, capables de les congédier et de les remplacer s'ils osaient se plaindre. Mais le 17 juillet 1893, au Elks Hall à New York, 17 techniciens de scène de 11 villes différentes ont tout changé en se regroupant pour se défendre et défendre leurs collègues. Sans autre arme que leur solidarité, ces représentants courageux ont tout risqué pour fonder un syndicat qui les protégerait contre l'exploitation et des pratiques inéquitables. Courageuse et déterminée, cette première délégation est devenue l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, de cinéma, qui compte plus de 140 000 membres aux États-Unis et au Canada et représente une vaste gamme de compétences et de métiers. Depuis plus d'un siècle, l'Alliance a transformé l'industrie du divertissement à maintes reprises. Mais ce parcours n'a pas été facile. Des grèves, de longues négociations contractuelles, des guerres de studio, des attaques gouvernementales contre les syndicats et des luttes internes pour l'autonomie locale ont mis à l'épreuve notre détermination, tandis que des progrès technologiques et d'autres bouleversements mettaient au défi notre raison d'être et notre solidité dans l'industrie du divertissement. Nous avons tenu bon en trouvant les moyens de nous adapter, de grandir, d'accepter ce que l'avenir nous réservait et de rester solidaires de nos membres. Lorsque le cinéma a fait éruption sur la scène, la popularité des films a menacé le gagne-pain des techniciens et autres travailleurs du monde du théâtre. Il aurait été facile de démissionner et de s'effacer devant ces changements rapides. Mais nos dirigeants ont intégré avec audace tous les machinistes et les projectionnistes de films et préparé activement la voie pour que nos membres puissent mettre leurs compétences en théâtre au service des productions cinématographiques. Avant peu, les techniciens de scène de l'Alliance construisaient et peignaient des décors. Les accessoiristes continuaient leur travail. Les électriciens installaient les éclairages, tout en contribuant à l'industrie du cinéma. Avec l'arrivée des films parlants, les travailleurs ont vite appris à utiliser de nouveaux systèmes audio dans les cinémas et acquis des compétences de techniciens de son pour les tournages. Avec le temps, le boom des films hollywoodiens, l'arrivée de l'animation, du technicolor, du réalisme cinématographique et d'innovations allant du 3D à IMAX ont créé de nouveaux métiers au sein de l'Alliance, qui a renouvelé sans cesse ses compétences en cinématographie, scénographie, éclairage, sons et effets spéciaux qui donneraient au cinéma sa magie pendant des générations à venir.
L'arrivée de la télévision a changé le paysage du divertissement et créé un tournant décisif pour les travailleurs dont la carrière était de nouveau en péril. Encore une fois, nos membres ont su manifester leur persévérance et leur adaptabilité. Les charpentiers, électriciens, artistes de scène, coiffeurs, costumiers, maquilleurs et autres techniciens ont trouvé des façons ingénieuses d'adapter leurs compétences ou de se perfectionner pour répondre aux besoins de ce nouveau média. De la diffusion en direct de grands événements sportifs aux comédies de situation classique et des infos quotidiennes aux talk-shows du soir. Nous avons sans cesse façonné chaque aspect de la programmation télévisée, depuis ses débuts en noir et blanc, jusqu'à la couleur, puis jusqu'à la câble-distribution et aux services de diffusion en continu. Notre sens du dévouement et de l'innovation caractérise depuis longtemps notre syndicat. Depuis sa création, il y a 125 ans, l'Alliance reste pour ses membres un guide stable, fiable et solide. Peu importe le défi, nous avons toujours réussi à trouver le courage et les moyens d'accepter le changement et de créer le changement. In 1893, show business existed almost entirely on the live stage. And today we represent motion picture, television production, live broadcasts, trade shows, new media, internet production. IA members are critically important to every phase of entertainment, from conception through all aspects of execution. Comptant plus de 350 sections locales entièrement autonomes qui lui confèrent son identité, l'Alliance est la plus grande organisation syndicale de l'industrie du divertissement au monde. Ensemble, nous avons obtenu parmi les meilleurs salaires, avantages sociaux et environnements de travail qu'on puisse trouver dans le secteur des métiers spécialisés. Mais il reste du travail à faire. Nous ne cesserons jamais de lutter pour le bien-être de nos membres en leur offrant la protection et la représentation qu'ils méritent, ainsi que des occasions de croissance personnelle et professionnelle. Growth equals strength. The future of the organization lies with our ability to grow, which really leads into the concept of our four pillars. Leadership. Compétences et sécurité. Activisme. Communication. Ces piliers, enracinés dans notre engagement fort envers la formation continue, nous rappellent quels sont les fondements du succès et de la force de notre alliance. Nous ferons tout pour renforcer notre leadership actuel, encourager et former la prochaine génération de nouveaux leaders. Et pour garantir sans compromis notre santé et sécurité au travail et actualiser nos compétences techniques afin de répondre aux exigences d'un secteur en constante évolution. Nous lutterons sans relâche aux politiciens hostiles aux travailleurs. Nous amplifierons notre voix collective afin de continuer d'influencer les législateurs. Et ce, en restant politiquement actifs, tout en tenant compte des membres de notre syndicat. Au nom de la solidarité et de l'unité, nous devons constamment nous exprimer à l'interne et à l'externe pour dire qui nous sommes et ce que nous faisons dans le monde. For 125 years, we've faced challenges, shown a lot of strength and a lot of courage. We've dealt with technological changes and adapted to them. And through those experiences, I believe that we've positioned ourselves to succeed well into the future. Quelle lutte pour un traitement équitable et la protection des travailleurs offre des opportunités de formation, tire parti de nouvelles technologies ou invente de nouvelles façons de faire face aux changements. Toujours, l'Alliance persévère et continuera de persévérer. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, l'Alliance continuera de progresser sous une seule bannière, en représentant chaque aspect technique de l'industrie du divertissement. Malgré les différences entre nos tâches respectives, nous sommes unis par un lien indéfectible, un dévouement constant à notre métier et un solide engagement envers notre syndicat. Nous sommes le cinéma. Nous sommes les foires commerciales. Nous sommes l'animation. Nous sommes l'avant-scène. Nous sommes la diffusion. Nous sommes la scénographie. Nous sommes l'AIEST.